Ce sera l'événement de cet automne dans très exactement 100 jours. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby. Le trophée a été présenté cet après-midi à Gennevilliers aux enfants qui chanteront les hymnes nationaux pendant la compétition. Depuis 2020, le sélectionneur de l'équipe de France s'appelle Fabien Galthié. Son unique but, rassembler et obtenir le meilleur de ses joueurs avec des méthodes, vous allez le voir, très personnelles. Didier Pireski et Romain Reverdy. Avec impatience. Sarah aussi d'ailleurs. Ça va. Aujourd'hui, c'est un moment important, ce J-100. La France va accueillir le monde. On veut faire pas uniquement une compétition sportive qui va être exceptionnelle. On veut aussi laisser en fait une empreinte sociétale. On veut mettre en avant les valeurs éducatives du rugby. Et on peut exprimer ces valeurs dans ce projet qui est la Mêlée des Cœurs. Alors la Mêlée des Cœurs, c'est quoi? C'est 7000 enfants, c'est 300 écoles qui vont pendant un an travailler sur la préparation de l'hymne qui sera chanté, les deux hymnes qui sera chanté avant les 48 matchs. On va confier ce travail, cette mission très importante à des enfants, donc des collégiens, des lycéens, des enfants des écoles primaires, qui vont travailler pendant un an sur le chant choral, préparé, encadré par la maîtrise populaire de l'opéra comique sur la qualité artistique, bien sûr, mais aussi un projet éducatif avec les professeurs de l'éducation nationale qui vont accompagner les enfants sur la géographie, l'histoire, l'économie, la politique du pays dont ils vont préparer l'hymne. Je pense qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite de notre préparation. C'est vraiment un tournoi qui va être engagé. Il y a beaucoup de projets solidaires, beaucoup de projets aussi tournés vers l'éducation. C'est ce qui nous rassemble cet après-midi autour de ce très beau projet de la Mêlée des Cœurs. Cette Mêlée des Cœurs, elle se prépare avec l'appui de Sarah Connet, de la maîtrise populaire de l'opéra comique, un parrain fantastique qui est Mika. Ces 7000 enfants vont vivre des moments d'exception. Ils vont être mis à l'honneur sur les écrans géants dans ces stades-là. C'est pour eux une aventure, c'est un programme pédagogique, c'est une expérience unique. Puis c'est une manière pour l'éducation nationale de valoriser le chant choral, une pratique qui compte de plus en plus dans les écoles et les établissements scolaires, et puis populariser la Coupe du Monde de rugby, c'est un point d'appui important. Et donc le rugby et le chant choral, c'est au fond un croisement, une alliance formidable pour l'école et puis la réussite des élèves. Bien sûr qu'ils sont prêts, ça c'est des enfants sérieux, n'est-ce pas? Ici derrière moi j'ai une petite partie de la Mêlée des Cœurs. 7000 enfants qui vont apprendre à chanter autour du pays. Ils sont prêts, ils étudient, ils le font avec énormément de sourire, avec beaucoup de passion, mais évidemment il y a aussi beaucoup d'équipes derrière. Ça c'est vraiment juste une petite partie de cette grande initiative. Thank you.
Oui, eh bien, maintenant je suis là. Est-ce que je suis mieux en vrai? Oui. Ça, c'est la bonne réponse. Non, ça veut dire que normalement, quand il y a un chef d'orchestre, eh ben, je suis à côté et je dois juste faire le chanteur. Et j'entends le chœur derrière moi et je peux pas résister, je commence à un petit peu les diriger avec mon corps. Je me fais gronder toujours par le chef d'orchestre, parce qu'ils aiment pas ça. Et t'as chanté dans un carnaval? Oh, mais bien sûr, moi j'ai commencé comme ça. Comme ça d'ailleurs? Bien sûr, j'ai commencé comme ça. Ça a sauvé votre vie. Ouais, et c'était où? Ça a changé ma vie. Vraiment, ça, ce que vous faites là, c'était à Londres, mais c'est complètement changé. J'ai commencé à 7 ans. Et à 8 ans, je chantais professionnellement à l'opéra. Et là, tout a changé. Donc ça peut vraiment avoir un Salut, c'est Mika et je suis là avec la maîtrise populaire de la mêlée des chœurs. Et rendez-vous dans 100 jours pour... La Coupe du Monde! See you there at the Rugby World Cup in 100 days. Salut! Salut! Le trophée est arrivé à Gennevilliers, il a trôné toute l'après-midi sur cette pelouse. Il est magnifique, à tel point que Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a tout de suite voulu le toucher sans mettre de gants, un sacrilège. Le trophée a été accompagné par les enfants de la mêlée des chœurs, des enfants qui chanteront les hymnes des différents pays avant chaque match de cette Coupe du Monde 2023. Ils sont encadrés notamment par le chanteur Mika. Ils ont entonné d'abord la Marseillaise, puis l'hymne sud-africain, ce qui a provoqué un grand sourire sur le visage de Tendam Tawarira, le champion du monde sud-africain en 2019. C'est lui qui avait ramener ce trophée à Paris hier. Une journée qui est très importante pour les organisateurs et pour le gouvernement. Pape Ndiaye était présent donc, tout comme la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, et bien sûr la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour qui cette journée du J-100 marque vraiment le coup d'envoi de cette Coupe du Monde de rugby. Un bel après-midi durant lequel les enfants de la mêlée des chœurs et les licenciés de ce club de rugby de Gennevilliers ont pu observer ce magnifique trophée Wabelis de plus près avant qu'il soit remis au vainqueur de la Coupe du Monde le 28 octobre prochain. Est-ce qu'on va tout comprendre avec Lorraine? Oh, sûr. Dans 99 jours. Dans 99 jours, c'est la Coupe du Monde de rugby, Lorraine. Oui. Et il y a cette association entre l'événement et Mika, qu'on entend qui devient le parrain de la mêlée des chœurs. Alors, j'ai expliqué ce que c'est que la mêlée des chœurs, quand même. Damien, c'est 7000 jeunes partout en France qui vont chanter les hymnes de chaque pays juste avant le coup d'envoi des 48 matchs. Des jeunes, ça va du primaire jusqu'à la terminale. Et regardez, Mika, sur les images de Pierre Thévenet d'RMC Sport, il est allé à la rencontre de la maîtrise populaire de l'opéra comique hier, parce que c'est lui le parrain de cette initiative artistique. Et c'est très beau. Il allait rencontrer les jeunes et lui, pour lui, je vous en avais parlé sur ce plateau, de cette importance pour lui qu'a eu la musique classique. C'est vraiment un autodidacte. Il n'avait jamais fait de solfège. Donc, il comprend tout ça et c'était assez joli, les images avec les jeunes qui étaient ravis de le rencontrer. Et lui aussi, il ne cachait pas sa joie. On vous voit derrière toi. Ouais. Complètement. Il était content d'être là. Les jeunes.